Planète BTP, le stand promotionnel de la filière du bâtiment, s'est tenu du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2023 sur le site du festival Les Eurokéennes. Cette présence sur le festival, organisée conjointement par la CAPEB et Bâtiments CFA Bourgogne-Franche-Comté, visait à promouvoir les métiers du bâtiment de façon ludique et originale auprès des jeunes. Bah franchement, je pense que c'est une super idée. On fait découvrir à plein de gens ce que c'est le BTP, plein de gens qui ne connaissaient pas, qui ne pensaient pas trouver ça ici. Franchement, c'est génial. Durant 4 jours, une équipe de 10 personnes, constituée d'artisans, d'apprentis, de collaborateurs de la CAPEB et de bâtiments CFA Bourgogne-Franche-Comté, se sont relayées afin d'animer le stand de Planète BTP. On vit un truc incroyable ici aux Eurokéennes, c'est notre première participation avec l'équipe du CFA, un monde de fous. Donc on est ravis sur notre action de promotion pour booster nos métiers du bâtiment. Et puis on est là aussi pour mettre en relation certains jeunes qui sont prêts à se former par la voie de l'apprentissage au niveau de nos CFA bâtiments sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Plusieurs défis ont été proposés aux festivaliers, tels que des quiz sur le secteur de la construction, des courses d'engins miniatures ou encore des constructions de maisons en capla XXL, avec à la clé de nombreux cadeaux à gagner. Certains chanceux ont pu repartir avec des t-shirts, des chapeaux et même des places pour les Eurokéennes 2024. Alors aujourd'hui c'est sympa, il y a de la bonne ambiance, ça donne des lots, ça prend des photos, ça parle BTP et c'est un plaisir, merci à vous, merci Belfort et merci le BTP. De bons moments partagés entre experts du secteur du bâtiment et festivaliers en quête de nouveaux challenges personnels et professionnels. On a rencontré Mathias jeudi là, et il a validé son futur projet professionnel en maçonnerie. Commence en septembre. Commence en septembre chez nous, au site de formation de Besançon. Exactement. Sur un bac pro gros œuvres. Merci de m'accompagner en tout cas. L'objectif principal de cette initiative était d'accroître l'intérêt pour le secteur de la construction et susciter des vocations pour les métiers du bâtiment dont les entreprises recherchent de nouveaux talents, comme par exemple la maçonnerie, le gros œuvre ou la couverture. On est en recherche d'emploi partout et constamment. Je pense que l'alternance, donc l'apprentissage, c'est le meilleur moyen d'apprendre et c'est vraiment valorisant, on apprend beaucoup de choses. On est dans la vie d'adulte tout en continuant l'école et ça nous permet d'évoluer beaucoup plus vite. Et c'est pas plus difficile pour une femme que pour un homme. On peut très bien y arriver, les mentalités ont vraiment changé, maintenant on est très bien accueillis. Vous allez apprendre le métier en entreprise, vous allez parfaire votre formation chez nous pour pouvoir découvrir ce que sont réellement les métiers du bâtiment. En 2023, on vous accompagne tout au long de la formation. Vous êtes en lien toute l'année entre le maître d'apprentissage, l'entreprise et le CFA pour qu'au bout du compte, vous soyez opérationnel dès l'obtention de votre diplôme. Grâce au partenariat avec les Eurokéennes, qui a accueilli cette année plus de 130 000 visiteurs, Planète BTP a pu facilement communiquer auprès d'un large public et atteindre directement sa cible qui pourra, sans plus attendre, rejoindre le secteur du bâtiment. Et j'ai envie de dire, c'est dans la continuité déjà d'un programme d'action qu'on a démarré il y a quelques mois avec des actions au milieu scolaire, les artisans messagers. Et puis on a également des visites de chantier. Et puis une suite, c'est d'être là aux Eurokéennes de Belfort. Moi, j'ai bon espoir qu'on revienne, qu'on s'installe durablement dans les prochaines années. En tout cas, belle expérience. Merci à nos partenaires. Merci aux 3CA BTP. Positionnés parmi les festivals estivaux les plus réputés d'Europe, les Eurokéennes ont donné cette année un véritable coup de projecteur sur les métiers du BTP. Il sera d'ailleurs question entre les Eurokéennes et la CAPEB de mettre en place durant les prochaines éditions des chantiers solidaires. Ce concept s'adressera aux jeunes en étroite collaboration avec les entreprises du bâtiment du territoire de Belfort. Planète BTP.